Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plus de l'épisode de Fallout 4 dans cette session toute neuve, hein, toute nouvelle, toute changée. Donc, vous avez pu voir sur l'image que j'avais une armure verte, j'ai rajouté un mod pour que l'armure militaire devienne une armure, attention... rose bonbon, non, en fait noir. Donc voilà, maintenant elle est passée à noir, ce qui est beaucoup plus stylé. Et donc, chers amis, j'aimerais avec vous aussi vous présenter, donc slash help m... alors, M94. Voilà. Donc, on va faire player point add item. Alors, 20 840. Hein? Ah bon? Ah non, 803, pardon. C'est le deuxième objet. Le 3. Hop, voilà. Get item, voilà. Voilà. Cependant, j'ai vu perd quelque chose, ça m'inquiète toujours. Non, c'est bon. Ça n'a pas modifié de perk du tout. Que je sache. Non, c'est bon. Parfait. Quoique j'avais pas ça. Non, j'avais pas ça. Non, ça me semble bon. Bon. Et donc cet item, chers amis. Ta 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 ta. Il est normalement ici. C'est un nouveau pistolet, donc première arme vraiment que je prends en standalone d'ailleurs. Donc standalone, ça veut dire que en fait elle ne remplace aucune arme, c'est vraiment une nouvelle arme toute neuve. Donc la voici, chers amis. Moi, je la trouve extrêmement stylée. Elle va remplacer donc le flingue que moi je voulais prendre, donc on a raté malheureusement, qui est buggé dans le précédent, enfin dans un des donjons du jeu. Donc nous étions ici pour je ne sais plus quelle quête, donner retour back et rejoindre le chasseur. Oui, on refaisait de l'exploration. Donc on va se rentrer à sanctuaire vite fait quand même, on va l'améliorer cette arme. Après tout, si on utilise des mods, c'est bien pour pouvoir les tester en entier. Surtout que je trouve que ce mode là, l'arme, le flingue, a l'air complètement stylé, complètement pété d'ailleurs. Au niveau du... enfin, en tout cas, pété, non, pas au niveau de ses stats, mais au niveau de son style. Oh. Alors. Vous savez quoi? Je vais me garer. Depuis notre conversation, voilà. Je me sens en pleine forme. Oh, elle est stylée comme ça. Hein. Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir. C'est marrant ici, la peinture militaire, elle est... ah non, elle est pas peinture militaire, d'accord. La plupart des gens sont doués pour casser des trucs. Moi... c'est celle-là qui est en peinture militaire, voilà, elle est noire aussi maintenant. Parfait. C'est parfait, casse-toi. Alors, et normalement, voilà. Oh là, Canigou qui est en plein écran. Hop. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. Je donc on peut avoir le dernier niveau. Bah écoutez, on va le faire. Faites tout de même attention. Default barrel, short barrel, long barrel, extended. Il est buggé l'extended, non? On va pas toucher Alexander, le grip. Polygrip. Ça augmente la précision. Si je mets celui-là. Oh ouais, non, alors le grip là était moche. Moche. Bon, je dis pas qu'il est plus beau maintenant, mais... magasin. Ah non, on va mettre un quick eject, mais pas un large, regardez le style. La visée, donc non, on peut pas la changer. Suppresseur, sans bouche. On va le mettre, hein, on va le garder le suppresseur. Hop. Par contre, défaut de barrel. Écoutez, on va mettre le tout grand, on verra bien. Hein. Hop, voilà. Et on va aller le regarder en détail, ce flingue. Vous voyez, non, c'est bon, c'est débugué en fait. C'était un problème de lumière, je pense. Crac. Oh bah il est stylé ce flingue. Bon. Maintenant. On a le bang, on a le Gugun et maintenant on a aussi celui-ci.
en 9. Marcy peut sembler froide. Waouh, avec l'animation et tout. C'est sa manière de gérer la mort de Cassie. Et il le fait à chaque fois. J'ai tellement de données sur le monde d'avant les bombes que je risque de devoir en supprimer pour... La situation commence. Stylé. Complètement stylé. Je le sens. Bon. Hop, je pose tout ça. J'ai l'impression que le son est drôlement fort, chers amis. Je vais le baisser un petit peu, vous me direz dans les commentaires si c'est mieux comme ça. Option, audio, principal. Ah bah il est déjà tout en bas, je crois. Non. Je vais baisser un petit peu. J'ai dit un petit peu, donc. Voilà. Et bah, on a le jetpack en plus dessus, celui-là. Génial. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors déjà, où est-ce qu'ils sont mes potes? Les voilà. J'ai du mal à traiter cet afflux de données. Oh, si seulement elle pouvait se taire. J'ai déjà payé. Oui, j'ai bien compris, je m'en rappelle. Donnez l'holobande, j'ai pas envie de la donner. Apportez le sérum et Virgile. Ouais, il le mérite. Allez, on y va, chers amis. Et on va même pas se téléporter. Ou alors, est-ce qu'on se téléporte dessus ou pas? Ah, allez, pour le fun, on va se téléporter au cratère de l'atome. Et on ira le chercher en espérant qu'il y a un petit peu de bataille à faire dans la zone. Par où est-ce que c'est? C'est pas par là. C'est au sud. Ah merde, alors où est-ce qu'il... Hop les. Un séjour prolongé dans la mer luminescente pourrait être fatal. Oui, je sais. Hop. On en approche, hein. Dommage qu'on ne voit pas d'ennemis. Ah, rat scorpion albinos. Salaud. Oh, la cadence de tir du machin. Oh, la cadence de tir. Je suis premier surpris, hein. Aïe. Aïe. Putain, il est balèze. Quatre. Putain, ça a pas suffi à le péter. Couché. Hop. Putain. Sale bête. Ces messieurs les ennemis ont été éliminés. What? Vous l'avez pété alors qu'il était sous terre, bien joué. Ces messieurs les ennemis ont été éliminés. J'aime bien comment qu'elle parle. Par contre le filtre fait vraiment mal aux yeux, entre guillemets, hein. Je me demande s'il existe encore des météorologues. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Tu me plais, Curie, de plus en plus, alors fais attention. Mouche bouffée. Ah non. Ah, ils sont trop rapides pour moi. Toi, t'aurais pas dû passer par là, hein. C'était la plus grosse... Bah, par contre, si tu pouvais le viser quand tu tires, ce serait bien, merci. Oula. Il est passé sous terre. Pouf. Oh, elle a pas tué. Putain, il m'a foutu un coup de poison, je crois. J'y vois que Pouic. Vous n'avez aucune chance de toucher. Je vous déconseille de continuer les hostilités. Salaud. Où est-ce que... Il a coulé sous terre encore. Sont tous tombés sous terre, c'est dommage. Ah non, pas lui. Bon, la suite. Ils font quand même drôlement. Eh, il utilise des balles de quoi d'ailleurs ce flingue? De 38. Génial, on en avait une chier pas possible. Ça permet d'utiliser toutes les balles du jeu.
Écorcheur luminescent. What? What? Oh, Canigou. Je crois que vous avez un problème, monsieur Canigou. Monsieur Canigou, non! C'est monsieur Toc! Boum! Non! Mode de combat rapproché activé. Pourquoi combat rapproché? Mais tu te bats contre un écorcheur? Boum! Aïe! Veuillez cesser les hostilités. Aïe, j'ai dit! Raté! J'ai survécu une fois de plus à un affrontement. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Est-ce la même situation? Il est balèze, hein! Est-ce meilleur? Va falloir que je finisse par sortir le minigun. Tu me diras par contre si c'est lui qui nous pond des écorcheurs devant chez lui pour se servir de, comme ça, pour s'en servir de chien de garde. Personne va venir le faire chier. En fait, c'est ça, là-bas, c'est la grotte de l'écorcheur. Bon. Bon. On aura réussi. C'est nous. N'aie pas peur. Tiens. Ravi de voir que vous ne vous êtes pas fait désagréger par le relais. Quoi? C'est ce que vous craignez? C'est ce que vous attendiez? Bien sûr que non. Il y avait beaucoup plus de chances qu'il explose. Et il a marché. Et vous avez pu entrer. Vous avez réussi à trouver le sérum. Je l'ai trouvé. Ouais, je l'ai apporté. C'est ça. C'est bien ça. Très bien. Voyons. Curie a adoré. Le rétrovirus a bien mûri. Le gradient de densité est élevé. Les séquences d'anti-introns recombinées. Elle est stylée quand même comme ça, Curie. Je sais pas ce que vous en pensez. Les brins d'exon transcripteurs se sont formés. C'est bien. C'est bien. Oui, mais... Il n'y a qu'un seul moyen de savoir si ça marche. Je te regarde. Vas-y. Hulk pas content! Bon. C'est parti. Et maintenant... Hulk triste! Combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Je n'en sais rien. C'est une première en fait. Je vais me reposer un peu. Revenez dans quelques jours, peut-être une semaine, et on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, vous avez tenu parole. Merci. De rien. J'espère que ça va le transformer, sincèrement. J'espère que ça l'aura aidé. Un petit détail près, je suis presque persuadé qu'il y aura un mode un jour. Avec le pistolet lance-seringue qui permettra en fait de retransformer les super mutants en humains. Ça c'est certain. S'ils le font pas, je suis désolé, je suis vexé. Alors. Ça c'est fait. Position de pointe. Allée du pendu. Oui, exact, je me rappelle ce truc là. Non. La patrouille perdue. Allez voir le paladin Dance. J'ai deux trucs pour le. Enfin, deux raisons d'aller le voir. Somerville Place, c'est où ça? Oh, mais c'est pas très loin! Hop, allons-y. Certaines créatures comme le roi des fangeux, l'écorcheur caméléon et le robot sentinelle peuvent avoir recours à la furtivité pour devenir... J'ai pas eu le temps de lire. Alors. Ma fonction principale n'est pas le combat. Il est légendaire, rappelle pas lui. J'ai subi des dégâts considérables. En un seul coup. Ok. Vous savez quoi, les amis? Touche pas, Canigou! Aïe. Elle surchauffe.
Il est débile. Il est complètement débile. Recharge. Putain, ça va vite quand même pour eux. Je crois que c'est pas le seul ennemi à m'attaquer. Oh putain, le rascrapant albinos. Il est aussi balèze. Oh merde. Mais tu vas crever. C'est quoi cette arme? Putain, je suis censé... Regardez, je suis censé le tuer. Bon, ok. Ce qui est censé le tuer ne le tue pas. Tiens, bouffe dans le visage. Oh d'accord. Alors, falloir qu'on revoie les capacités de ce... What? Ghost Rifle Violence. Ça a l'air hyper méga stylé. N'est-ce pas le travail du médecin légiste? Maintenez les tirs pleinement chargés, infligez un maximum de dégâts. D'accord. Cool. Cool, cool, cool. J'étais pas allé là-dedans, si? Ghoul sauvage, bonjour. C'était le pistolet de James Bond. Une ghoul, fascinant. Les ennemis s'éloignent. Hop. Touche pas, canigou. Activation des défenses secondaires. Hop. Punition. Bon. Ok. Pas marcher, c'est pas possible. Montez. What? Deuxième étage. Porte déverrouillée, novice. Ok. Ça y est. Pardon? What? Luminescent bouffi? Putain, il fait... Regardez les baffes qui me collent! Allez, il va essayer de me bouffer maintenant, ça y est, génial. Putain, mais... T'as de la chance qu'il te reste les jambes! Putain! Par contre, ça va descendre vite les munitions à cette ce rythme. Wouhou! Génial. Ok, bon. Il faut que nous allions... Il y a toujours des ennemis à proximité apparemment. Apparemment ils sont en dessous de nous. À l'est. Ce mode de déplacement rapide. Et revoilà. C'est marrant, Kenigou se téléporte plus près que... Que Curie, littéralement. Hein. Je vérifie quand même. Plus à droite. C'est quoi qui est un peu plus Ah oui, non, il est beaucoup plus loin. C'est particulier comme endroit, n'empêche. Hein. Je veux dire, merde, regardez ça, quoi. J'aurais peut-être pas dû emmener Canigou là-dedans. Curie, on s'en fout, c'est une synthétique maintenant. Je gagne de l'XP, je comprends pas pourquoi. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Je crois
que nous reprise des hostilités. Et il s'est déjà téléporté quoi. Vous sentez-vous toujours bien? C'est un flingue que je donnerais à Dick Tracy ça. À Nick Valentine. Ça lui va tellement bien, pas, je vais pas dire physiquement mais presque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Apparemment il y a une crotte par là. What, encore un écorcheur? Il y en a un autre là-haut, regarde. Tu le sens, mon gros Googun? Dégage! Aïe. Pourquoi faut-il que tout soit si dangereux ici? What? Je pense avoir reprise des procédures de combat. What? Qu'est-ce qui m'attaque? Voilà pour... Meurs! Encore une. Je suppose que nous devons les éliminer. Je crois que j'ai touché dans... J'ai tiré dans... Dans Curie. Hop, nos scopes. Hop, nos scopes. Il y a quelqu'un non loin d'ici. Raté, je pouvais pas le faire celui-là. Amical. Je préfère... Ouf. Bien. Nous devons trouver des hommes de science et des lieux d'éducation. La crotte. Entrons dans la crotte. Oh. Alors m'attendez pas à ça, je l'avoue. Ok, c'est tout en fait. C'était juste ça. Eh ben on se casse. Moi qui m'attendais à un truc intéressant. Bon. Le Googun reste quand même assez efficace en soi. Hein. Oh, le petit chien est blessé. Kenigou ? Faites très attention. La radioactivité est extrêmement élevée ici. Est-ce que Kenigou subirait la radioactivité ? De toute façon, je vous ai perdu tous les deux, donc comme ça, c'est clair. Où est Kenigou, Curie ? Il est essentiel d'avoir du Rad-X et du Rad-Away ici. Tant pis pour Kenigou. Oh, il y a un abri dans le coin. Mais merde, où est Kenigou? Il y a même une église et un aéroport. Permettez-moi d'observer et d'analyser un maximum de formes de vie indigènes. Kenigou? Bon, Kenigou est décédé, hein, je crois. On va juste vérifier un truc. Help dog meat. Meat dog, je suis con. Non, c'est ça en plus. Help. Non, c'est dog meat. Help, 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 Kenigou. Bon, bah non, tant pis. Je sais pas ce qui est arrivé à Kenigou. À vrai dire, ça me fait royalement chier. Ah, bah le voilà! Bah tu vois quand tu veux. Yo les filles! Donc apparemment, il serait là-haut. Mouvement détecté à l'intérieur du périmètre. J'engage le combat avec l'ennemi. Zone non! Mais non!
Pourquoi engager le combat, Molduglan? Je t'ai rien fait. Tu commences vraiment à gonfler. Oh! Ah non! Non, 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 non! En plus, ça doit faire super longtemps que j'ai pas sauvegardé! Là, je suis désolé! Pourquoi t'engages le con? Ah, parce que c'était des artilleurs, tout simplement, je suis trop con. What? Seriously? Seriously? Alors là, je suis vexé. Là, autant vous le dire, je suis vexé. Bon, on va aller par là, c'est pas grave. Puis on va descendre. Ah non, mais là, ça va pas le faire, là. Enfin bon, je trouve qu'il fait quand même un petit... Ils font quand même un petit peu trop de dégâts. Je suis en armure assistée, merde. C'est pas rien non plus, quoi. Hop. Enfin, normalement, c'est pas censé être rien, quoi. Alors, merde. Bon bah tant pis pour les XP que j'ai pu faire sur les... Ah oui non, c'est un reflet. Mais merde, il y a un truc bleu là. Sur les écorcheurs, bon bah tant pis, écoutez. Hein. Je trouve ça un peu facile. Enfin je veux dire, voilà quoi, un écorcheur ça suffit pas à me battre. Par contre ce machin là... Ils sont un peu craqués les Lazerotron. Moi je veux une tête de Lazerotron que je puisse tenir dans ma main et faire... Ah, ça tire, ouais. Tiro est même dur. Un synthétique allié. Des novices. Veuillez ne pas bouger. Donc en fait je peux ne pas engager le combat. Ne restez pas là, soldat. Sergent chevalier. Excuse-toi. Bon, tu butes de mes copains quand même. T'as un pute. Ah oui, novice de la confrérie. Hop. Oh, il était beau celui-là en plus. Eh. Merde, je voudrais ces fringues moi. Transfert, j'ai pas des vieilles fringues sur moi. Non. Merde, il était super stylé. C'est peut-être pas des fringues en fait. Ah, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors. Jusque là, tout se passe bien. Alors, c'est peut-être un petit peu craqué, le... Peut-être un petit peu trop augmenter le, la... Comment, le, la capacité de la... De la pile à combustion, entre guillemets. Peut-être que je re-règle ça. Je demande s'il y a moyen de monter là-haut. Et de la lumière, en tout cas. Donc, il doit y avoir moyen de monter. L'endroit est... Bordure de la lumière luminescente. C'est magique. C'est magique. Alors, est-ce qu'on va arriver? Merde, ça devait être un pic. Non, je dois rêver. J'ai l'impression de voir un écorcheur, en fait. Par contre, si les mecs ils sont là, ils doivent pas être en forme. Enfin bon. J'ai pas envie d'y aller tout de suite. J'ai envie d'aller me venger. Hop. Qui est là? Attention, les rencontres violentes peuvent entraîner une variété de blessures. Dégage. Je vais pas te laisser bouffer, t'as cru? What?
J'espère qu'il y a du blé sur ta tête. What the... Je vous déconseille de continuer les activités. Elles sont deux. Je vais crever. Et de une. Et de deux. Oh non, relève-toi. Tu peux le faire. Moi j'en veux une, hein. Je veux une Lazerotron en tant que... qu'allier, hein. Je suis désolé. Hein. Allez, on y va. On mérite d'entrer dans cet abri maintenant. Excusez-moi. Tu vas morfler. Et qui cause ? T'es dans la merde jusqu'au cou. Qui c'est qui fait Jean et tire là ? Curie. Et la jambe, et la jambe. Boum. Le problème, c'est qu'elle est loin. Pourquoi faut-il que tout soit si dangereux ici ? Bon, tu sais quoi ? Tu vas être transformé en goo. Ah non, dommage. Vous devriez J'aurais aimé. Laver soigneusement les mains. Je pique ta canne à pêche, hein, tu permets. Porteur de nombreuses bactéries. Donc voici. Oh bah d'accord, il est même pas planqué en fait leur abri. Par contre, je le sens très très glauque cet abri. Deux légendaires. Hop les. Voilà. Il avait un couteau de combat qui a l'air de faire vachement mal en plus. Parce qu'avec plus de 50 points de dégâts Non. Plus 50 points de dégâts Il fait 71 de dégâts. Il fait plus que le pistolet. Oh la gueule. Excellent. Excellent. Hop, on va éclairer un peu tout ça. Est-ce qu'on peut pas refermer la porte ? Merde. Bon, bah on va rentrer. Un ascenseur ? Tiens donc. Quelle idée. Bon, bah on descend. Hop. Bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré dans un abri. Ah, elle aime pas ça, Curie ! Merde ! Bon, de toute façon, elle est déjà transformée, donc maintenant... elle a plus qu'à obéir. Oh, pardon, excuse-moi. Tu me connais. Oh, mais c'est que c'est piégé. Désamorcé. Porte coulissante. Oh, saloperie. Hop, ça y est. Ouh. Ça y est. Yo. C'est quoi ces murs ? Ah, ça a mal vieilli, hein, comme on dit. Hein. Terminal. Alors, commande de tourelle. Ouais, si tu veux, vas-y, désactive. D'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage est une expérience très enrichissante. Bon, attendez à mieux. What the... Excuse-toi. Excuse-toi. Quelqu'un a besoin de se faire poser le cul. Hein? Hey. Qui a une cible?
Comment je peux être silencieux? Oh merde! Encore une. Alors? Combattant ennemi, montrez-vous. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Je préférerais discuter de science. J'analyserai ces rapports plus tard. Oh, il faut encore se battre. Moi, j'aimerais bien avoir la Lézérotron en... Les ennemis s'éloignent. En visu, c'est elle le véritable ennemi, le véritable danger. Oh, le coup de pied dans les couilles qu'il lui a mis! Vous avez vu ça? Ah, je mets un peu chier. What? What? Combien de temps il dure son rayon? Vous avez vu ça? La vitesse à laquelle elle m'a buté? Putain, mais Iron Man, il est pas aussi balèze, quoi. What? Je vous ordonne de cesser le combat. Attends, faut pas que tu me refasses le coup, toi. Non. Psst. Viens avec moi. Tu viens toi là-bas? Parce que putain, ils sont balèzes hein. Non, tu te calmes. Putain mais... Malades mentaux, ces ennemis! Voilà pour vous. Elle fait puter cela! Je crois que ah bah non, peut-être plus. En sécurité. Oui, je te pite à canne à pêche, comme j'ai dit la dernière fois. Il y a quelqu'un non loin d'ici. Ses intentions sont peut-être amicales. Où es-tu? J'entre en mode. Pas un geste, enfin. Soldat. Il t'est là. Vas-y, bute-le. Cet endroit est d'une telle violence. Hop. Mon pistolet plasma, je sais pas pourquoi je l'ai pris, il va me prendre de la place plus qu'autre chose. Bon, cette fois-ci on y va, c'est marrant qu'il n'y ait pas eu de... Ah bah oui, parce que je suis pas rentré dedans, il n'y a pas eu de chargement. Putain, je suis mauvais en ce moment, hein. C'est d'une violence. Alors. Fly me to the moon and... Bah alors, où est-ce qu'elle est? Ah bah, ils commencent déjà à se tirer dessus entre eux. Moi ça me dérange pas hein. Ou alors c'est ah non, c'est Curie qui a complètement pop là où il fallait pas. Encore. Demande pourquoi je cherche des fois. Hop. On va faire en sorte qu'elle ne tue pas Curie. C'est bon, non, je les ai pas désactivés, j'étais trop rapide. Allez. Bah là, je suis désolé, normalement elles sont désactivées. Hein. Bah j'aurais fait ce que j'ai pu. Ouais, c'est bien Curie. Hein. Saloperie de coco. Je sais pas comment je dois le prendre. Tu vas
Ok, Canigou n'y va pas. L'autre, elle me pète les couilles là, Curry. Non. 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 D'accord. Je viens de comprendre le principe pour les buter en fait. Faut pas rester dans un... À partir du moment où ils tirent, ils sont immobiles. Yo les filles. Elle me saoule. Ça va mon pote. C'est con, il reste plus grand monde pour répondre à ta à ton appel. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Des munitions. Pas grand chose de plus. Elle me saoule. Duct tape, je prends. D'accord. C'était des grands malades. Terminal du superviseur. Qu'est-ce que c'était que cette expérience alors du coup? Alors, le superviseur de la B85 est élu pour organiser les réunions quotidiennes et s'assurer que les autres résidents suivent scrupuleusement les règles du programme de désintoxication. Ah d'accord. 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 Donc en gros c'était des... Alors non, on a un truc à déverrouiller normalement là-dedans. Voilà. Donc en fait c'était un abri de toxico avec à leur tête une personne normale qui était là pour les aider à les emmener sur le droit chemin littéralement. Hein. Je me demande si ça a réussi. Donc maintenant elle fonctionne mais je peux quand même la pirater pour l'XP. Par contre, la porte est ouverte. Hospitality. Génial. Ah bah, comme quoi. Oh, vous êtes encore sur votre terminal. Ah, te voilà. Cool. Plus le temps que je t'attends. T'as loupé 93% de la bataille. Très précisément. Quartier résidentiel. Oh putain. Je les ai vus en plus, j'ai pas percuté. J'ai juste été trop con. Ça va faire mal. Alors la prochaine fois que tu me tireras dessus, essaye de me regarder. Les signes vitaux se situent toujours dans des normes acceptables. Ce serait cool. Tu me saoules. Merci. Va bien y avoir un une poupée terminal privé tiens non ou un bouquin alive non until voilà vos ordres. Assurez-vous que tous les dents suivent scrupuleusement le programme de désintoxication de Voltec. Ce point est essentiel pour nos objectifs de recherche. Vous agirez comme n'importe quel autre résident. Vous devriez déjà avoir mémorisé votre passé et votre identité. Inutile de vous dire de vous revenir là-dessus. Vous travaillerez avec le superviseur élu pour un tout un problème d'infraction aux règles tout en... Donc ça c'était la taupe. Compartiment secret. Compartiment secret. Ça c'est intéressant. Je veux la marque du... Aujourd'hui marche.
Après, le programme de détection de Voltex semble avoir permis à tous les sujets de surmonter les symptômes de sevrage et de s'adapter à leur nouvel environnement. Bien sûr, le sevrage n'a pas été sans heurts pour certains sujets. Peut-être c'était correct, tout individu est capable de s'adapter quand il est confronté. Aujourd'hui, je vais sortir en douce quand tout le monde dormira et j'ouvrirai la cachette de drogue que j'ai gardée cachée ces 5 dernières années. L'isolation semble s'être montrée bénéfique en l'absence de stimulus de dépendance. Maintenant, nous allons voir l'effet de ces stimulus sur l'ordre social créé ces dernières années. Et il n'y a plus d'entrée. Donc, bon, on va pas se faire un dessin. Un combat, vraiment. Ça va faire mal. Une conversation civilisée à la place. Alors, il y aura tes. Activation des manœuvres d'esquive. Bouf. Mon cher. Amène-toi. Encore. Ah, pardon, je me trompe de touche. Tiens, bouf. Ping. Avec la petite musique d'ailleurs. C'est magique. Falloir que je coupe cette. Cette musique d'ailleurs, oui. Donc je vais y arriver. Oh! Joli. Les dégâts critiques commandent 25%. Ouais, bah tu parles, ils font pas de dégâts les armes lourdes. Tu me diras, c'est peut-être parce que je les ai pas améliorées. Mais enfin bon, si elles font pas de dégâts de base, c'est pas bon signe non plus. Terminal privé. Journal 1. Putain de Voltec, ils avaient dit qu'ils nous aideraient. L'abri était censé être sûr, un endroit où la désintoxication était forcément possible. C'était peut-être un. Et puis c'est arrivé. Ouais, bref. L'histoire d'un résident. Ça ne nous regarde pas. En fait, il a fait caca dans son slip. Et du coup, il s'en est voulu. Et puis voilà, il s'est suicidé. Oh là là. C'est triste. Hein. Voilà l'histoire de ce réfugié dans un abri. À côté de ça, t'en as qui sont cryogénisés, qui voient leur famille se faire tuer, enfin une partie de leur famille se faire tuer, leur femme se faire tuer, et qui ensuite voient leur enfant se faire kidnapper, et puis ils le retrouvent plus tard alors que c'est un grand-père. Donc techniquement, on devrait avoir des arrière-petits-enfants, des petits-enfants plutôt. Oh, psycho, merci. Il me regarde, chers amis. Du jet. Il a l'air confortable, son oreiller, ouais. Mâche le bouton. Ok, vous êtes très bizarres, les filles. Hein. Progressons. Yo. C'est très bizarre tout ça. Je. Oh. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Hop. Où est-ce qu'on referme la porte? D'accord, sur le petit bouton. Ok. Jusque là, ça se passe plutôt bien. Il avait besoin d'une bouée pour pas tomber dans le trou. Que c'est dommage. Steampack, du buff out. Tout ça est toujours utile. Là par contre on n'a pas fouillé. Il m'a pensé que j'ai pas fouillé dans les autres non plus. Voilà. Bon. Je pense qu'on a trouvé la raison d'être venu ici quand on a trouvé la bobelette. Hein. Clairement. Saloperie de singe. Oh. Une cachette. Ok, bon bah on remonte. Et on va aller voir dans la base des installations. Qui c'est qui chante là? Merde, putain. Non. Oula.
Brûlé. Bien que dangereux, le combat est un excellent exercice physique. Alors, Manta. Un petit peu de vodka. C'est bon la vodka. Hop. Vous devriez vous laver soigneusement les mains. Compte sur moi. Les cadavres sont porteurs de nombreuses bactéries. Compte sur moi, t'inquiète pas. Je vais pas. Oh. Intéressant ça. Ma fonction principale n'est pas le combat. Aïe. Oh la vache, ils sont solides hein. Wow. Kenigou. J'espère que tu plais sur ta tête. Je ne pensais pas qu'il y a... Pas un geste, soldat. Parfait. On l'a pacifié. Oula. Oula, je pèse du poids. Voilà ce que j'ai sur moi. Non, non, c'est pas ce que t'as sur toi qui m'intéresse vraiment. C'est surtout... ce que tu pourrais porter pour moi, ce qui n'est pas pareil. Tiens, déjà ça. Hop. Voilà. Et tiens, prends les lunettes de soleil aussi. Je te remercie. Qu'est-ce que c'est? Bref. Bof. Porte déverrouillée avancée. Voilà, on a réussi finalement. Hein. Alors, bonjour. Ça a pas l'air d'être la forme. T'avais un gros coffre par contre. Ah bla. Voilà, je m'en doutais que j'allais trop loin. Génial. Ah voilà. Donc ça aussi c'est un des autres modes que j'ai rajouté. Donc des anneaux en fait. On peut trouver tout simplement des anneaux à porter à la place de l'anneau donc de notre femme. De notre mariage. Donc lui, par exemple, vous voyez, il donne un force et un agilité. D'ailleurs, on pourrait peut-être même le porter. Tenue. Ah d'accord, on peut pas l'équiper. Comme tu veux. Bon, il avait un stealth boy, pourquoi pas. Hop. Juste pour voir. Préparez-vous à tirer. D'accord. Je voulais juste voir si je pouvais en fait simplement lui prendre son arme et l'empêcher de... Voilà, de se défendre. Qu'est-ce que vous me voulez ? Curie n'a pas aimé. Donc là, si je range... Ma fonction principale n'est pas le combat. D'accord, donc il l'attaque. Donc ça vaut pas le coup. Maintenant, il est pacifié, je peux l'abattre. Si ne je veux, je peux l'abattre. Pas de mal. Alors, barrez-vous. Les messieurs, les ennemis ont été éliminés. Ouais, je vois pas le principe de pacifier, je le trouve pas utile si... Enfin, si c'est pas durable, entre guillemets, vous voyez. Les artilleurs, de simples mercenaires. Aucun intérêt pour la science. Bien. Que tu l'aies compris est une très très bonne chose. Ça veut dire qu'on peut les abattre comme on veut. D'accord, on vient juste de faire le tour en fait, c'est cool. Bon, maintenant, on va se rendre là-bas. Je me demande si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose. Je suis trop grand pour les... Du calme. Main en l'air. Hop. Putain. Trop loin. Tu bouges pas.
Pas un geste, soldat. C'est une blague. Hop. Ma fonction principale n'est pas le combat. Je sais. T'as raison, Canigou Boufleux. Votre pouls et vos signes vitaux se situent toujours dans des normes acceptables. Canigou qui se fait bouffer puis qui se venge. Génial. J'adore ce chien. Ok. J'aimerais en finir avec cet endroit. Avant de finir l'épisode. C'est con, je voulais faire des épisodes un peu plus courts pour une fois. Parce que j'ai plein de choses à faire. Tuez-les tous! Vous avez entendu quelque chose? Pas un geste, soldat. Ils font mal. Ils font très très mal. Hop! Mode de combat rapproché activé. J'ai pas réussi. Gamma Gun! Le sac! Ah, je me disais, il me faisait mal, mais alors oui, tu m'étonnes. Plus à un affrontement. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est bon, pas la peine de s'énerver. Dommage qu'il ait pas de voix pour ça. C'est vraiment nul. Ok. Ah, t'es un légendaire! Oh, bah excuse-toi! Boum! Vous sentez-vous toujours bien, monsieur? D'accord. Voilà, oui, non, mais c'est un légendaire, je vais récupérer l'arme, moi. Enfin, l'équipement, en tout cas. Arme, je sais pas, mais l'équipement, je le récupère. Alors, juste, j'espère juste que les autres vont pas réagir parce que j'ai abattu un mec pacifié. Oh, dis donc, cette installation est vraiment gigantesque, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Étrange. Tout à fait étrange. Alors, terminal nécessaire. Terminal du centre de désintoxication. Commande à distance de la porte, pourquoi pas ouvrir la porte. Allez pas me chercher. Je détecte une... L'ennemi a été localisé. C'est Sturges? T'as raison. À genoux. Non, c'est pas Sturges. Danger détecté. Esquivé. C'est fait. Merci de ton soutien. Alors, dossier, réveil, on a bien un truc là-dedans. Faut pas me dire que j'ai fait tout ça pour arriver là et qu'il y a rien dedans. Du whisky, ça y est, on est riche. On a trouvé le whisky. Terminal de la chambre de décontamination. Mais t'es malade. T'aurais pu attendre. Commencer la purge de toxines. Erreur, aucun sujet détecté. Canigou. Vous voulez que je porte quelque chose? Canigou. Tu vas là. Par ici. Parfait. Moi, je vais juste virer le bordel qui me prend de la place. C'était quoi? C'est quoi que j'ai pris qui me prend de la place? C'est ça, voilà. Non? Oui, mais je l'ai équipé, je suis trop con. Hop, voilà. Hop, bougez pas. Aucun sujet détecté. Hop. Oh.
T'es petit. Hein. Vous êtes petits, les mecs. D'accord, donc c'était une décontamination, une désintoxication forcée, en fait, qu'ils faisaient. En tout cas, ils cherchaient peut-être... Ah non, c'est eux qui bossaient sur l'addictol. À tous les coups, c'est eux qui bossaient sur l'addictol. Vous savez, le truc qui empêche les... comment les... mince. Les addictions. Ils bossaient dessus et du coup, ils ont tout simplement trouvé, grâce à cet endroit-là, l'addictol. What? C'est génial. C'est absolument génial. J'adore. Bon, on descend. On descend. Bon, on va essayer de ressortir. Hop. Voilà. Ça se passe bien. Très bien. Hop. Hop, hop. Pour 12 points d'XP, je prends. Oh, la zéro tron de la mort. On remonte. Et on va se téléporter, je pense. Je pense. Bah non, on peut même pas se téléporter, on va rester là. Et on va se laisser là pour cet épisode. Eh bien écoutez, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc votre lien dans la barre de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer. Dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesfed.com que vous aussi pouvez retrouver un lien donc dans la bannière de la chaîne. Je leur fais un grand merci à eux, ils m'ont quand même offert Fallout 4, mais aussi Star Wars Battlefront, Mad Max, Agatha Christie, The ABC Murders. Donc encore une fois un grand merci à eux, et un grand merci à vous pour votre fidélité, votre sympathie, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens, et yop.